Bonjour, chers téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices. Nous entrons là pour le premier bulletin d'information dans la journée là qui permettre de mieux comprendre ce qui a passé dans le pays d'Haïti après l'assassinat crapuleux de héros d'Haïti, hein, président Jovenel Moïse. Et grand pile en pile d'information qui a entré. Nous pas dormi pour nous chercher information pour nous et nous avons en pile d'information pour venir jouer nous là. Et première information que j'ai là, c'est conférence de presse que CSPN et tout le gouvernement te bail parce que nous connaissons commencé traquer et commencer marrer assassin yo. Et l'information ça là, c'est confirmé, c'est 26 Colombiens qui fait partie de l'armée colombienne, mais yo même yo retraité. Ça veut dire tu fais partie de l'armée là, et bien qu'on y a une fou était une cause mercenaire et il pour parler de mercenaire. Ça veut dire que c'est l'argent ou payé, et puis ou même puis elle font travail dans n'importe qui pays, à l'assassiner moun, à l'touye moun, pour l'argent. Et puis l'an 26 et mercenaires, c'est Colombien, et puis il y a deux l'an mercenaires qui ont fait 28, c'est Haïtien, Américain, que yo yé qui fait partie de groupe ça. Et la police nationale lui-même, lui fait tout effort avec population haïtienne nan, pour yo traquer. Mercenaires, ils ont commencé à prendre pile là-dedans, gagnent qui mourit. Eh bien, nous allons quitter nous tendre comment le premier ministre là, et Claude Joseph, et puis comment nous allons tendre tout DG la police là. Et ensuite, nous allons gagner une autre information très importante pour partager avec nous, parce que nous te font coup de pied dans le pays Colombie. Eh bien, ministre défense colombien, il fait connaître que oui, et Monsieur Sayo, c'est Colombien, oui. Qui te fait partie de l'armée, mais yon retraité, c'est mercenaire, et yon pral chercher toute information pour connaître qui le monsieur so qui te Colombie puis entre en Haïti, qui est-ce qui paye voyage yo, qui est-ce qui finance tout ça. Et nous connaît la Colombie lui-même là, tout lui-même, li gen un système intelligence qui très sophistiqué, et bien yon dit, y a bas Haïti, on coupe mélan ça, parce que ça son honte nationale et internationale. Pour Jean la Colombie gen bon relation avec pays d'Haïti, et bien pour gen des haïtiens ou bien étrangers qui financent une opération comme ça avec les mercenaires colombiens et haïtiens américains pour assassiner un président en fonction Jovenel Moïse. Bon quitte nous tendre comment et conférence pour la presse qui était bail et hier soir et de très tard. Parce que nous-mêmes, nous là pour nous porter information pour vous. En vont lever pour attendre l'autre radio qui baille l'autre information qui n'est pas correcte. En nous attendant avec nous, comment le Premier ministre avec le DGA a expliqué exactement combien nous prend, qui ça qui passe, qui côté nous soutient. En nous attendant, et puis nous allons retourner tout à l'heure pour nous continuer avec le premier sorti bulletin d'information. Il n'y a pas oublié sous fait branché. Ou ap suivre bulletin d'information cadence info premier bulletin l'an journée qui passe grand matin pas oublier support que j'aime abonner à channel là cliquez sur bouton marqué subscribe là ou bien abonner pour chaque temps nous monter pour qu'a joindre nous parce que nous décréter la permanence non seulement faut joindre auteur matériel yo faut joindre auteur intellectuel crime ça qui fait dans pays d'Haïti en attendant mesdames messieurs en vos rangs, grades, titres et qualités, bonsoir. En ce moment, nous prenons un point de presse et pour qu'on y a, m'a passé la parole à M. Franz Exantus pour le capable de continuer à parler avec nous. Merci. Merci, Mme Verrier, pour votre parole de la police. Là, on a pour saluer toutes les amies la précieuse qui est avec nous. Assurant l'autre fois, on a quatre permanences, gouvernement décrété, notamment TNH, Téléguinée, 22 Live, qui live, toute l'autre plateforme, à tout l'autre confrère, à console la presse, qui là, qui fait déplacement. Nous connaissons un pays à vivre, ça que personne n'a pas jamais pensé, pas jamais imaginé depuis 1986, pour l'ouvrir 7 juillet qui s'est passé là. Ces nouvelles assassinats président République là, son excellence Jovenel Moïse. Depuis PM n'a fait confirmer les nouvelles ça, tout le gouvernement te mette en branle, tout CSPN pour que vous preniez responsabilité pour
réunir tout élément, chercher tout ça qui va permettre lumière faite sous question. En pile avancée déjà faite, et c'est ça qui explique la présence en bon parti dans le commandement, gouvernement, divers ministres, secrétaires d'État à cadre dans le gouvernement qui est présent. PM nan, sous instruction, autorité, en pile réunion faite, en pile CSPN faite, en pile instruction bail, et ont commencé à porter résultats. Je vais passer PM dans la parole, Dr. Claude Joseph, pour situer ce qu'a fait là dans le contexte, li, puisque le pays a vécu un moment que personne n'a jamais imaginé. Merci, France. Je dis merci avec tout journaliste qui est là. Parce que dans les dernières 24 heures, fatigué nous en pile. Mais en effet, ce n'est pas moi qui fatigue nous. C'est le pays, c'est la population haïtienne qui a besoin de connaître comment le président assassiné par un groupe de monde qui sorti dans l'autre pays qui lâchement assassiné un président qui est en fonction. La CAILI dans Pèlerin 5. Je nous tous connais hein? Depuis après assassinat dans le matin qui était 7 juillet. Moi-même, reste CSPN, là, m'a parlé de DG, police nationale, m'a parlé de ministre justice, m'a parlé de ministre intérieur, m'a parlé de ministre défense, m'a parlé de secrétaire d'État pour sécurité publique d'un pays, m'a parlé également de conseil des ministres avec tout ministre indistinctement ont été décrété la permanence. D'abord, nous avons fait un appel au calme qui était remercier la population parce qu'elle était tendue de nous et elle était agi, je nous demandé là. Nous avons demandé la population pour collaborer avec la police là. Population fait ça et nous avons action. Il y a un gros coup de chapeau pour plusieurs unités dans la police nationale. Ils travaillent sans relâche pour nous aboutir à ça nous gagnons aujourd'hui côté malfrats, ravisseurs, monde qui tue le président, nous. Prenez, capturez, vous avez la police, je dis, je ne peux pas garder. Certainement, des CPJ, des GPNH, nous avons en pile explication sur ça. Parce que les polices nationales là, à bas résultat, c'est important pour tout le monde de crédit et reconnaître. Les CSPN, c'est sans relâche. Raison est simple. Je dis pour nous honorer mémoire président, pour nous permettre que famille, madame qui est l'hôpital Kounia, petite Lio qui sous choc, nous ne sommes pas capables d'engager nous dans la bataille pour nous kembe, prendre ravisseur ça. Il y a là-dedans qui tombe. Dans l'échange avec la police. Gagné nous prend. Nous prend plus fort. Jean DG, DCPJ, pour le dire nous là. Ça qui est un cavalier, nous continuons à demander collaboration à la population. Pas oublier, peuple haïtien, frère action, pas bâille tête nos justice. C'est pour ça la police là. Les nous prend, pote yo by la police. Je nous fais jeudi. Mais attention. Piga nous quitter, moun fait nous faire erreur. Dans le moment ça,
gagné j'aime te dire matin en pile fauteur en nos troubles gain en pile monde cap chercher mettre plus confusion qu'embe tête nous clair président république là son excellence monsieur Jovenel Moïse de Jeune Justice c'est pour ça m'a fait un autre appel à tous frères sœurs qui sont en opposition alliés amis président Jovenel Moïse à nous mettre tête nous ensemble non seulement pour nous condamner à ça pour ne pas jamais répéter encore mais pour nous mettre tête nous ensemble pour nous pas diviser parce que ça qui passe là aujourd'hui c'est un bagage qui est grave. Nous-mêmes qui journalistes, nous-mêmes qui attendons, génération pas nous, pas vivre une situation comme ça. Nous lisons dans le livre. C'est depuis en 1915 un événement comme ça produit. Si moi je ne fais pas un défaut, si je fais un défaut, je vais demander aux historiens de pardonner. Je dis à un groupe monde qui c'est des étrangers entrer dans le pays a yo touyer président lâchement mais yo gon bagaille oublié ou capable touyer président ou pas capable touyer rêve ou pas capable touyer idéologie ou pas capable touyer pour sale ta bataille yo. C'est ça que fait moi-même, moi déterminé pour président Jovenel Moïse, famille, amis, alliés, pour la population haïtienne, Jeune Justice. Moi, je vais passer des GPNH là pour qu'on ait plus d'explications. Mais je vais réitérer appel au calme à la population. Calmez-nous. Pas quitter le monde, jouer dans la tête. Nous. Il y a un pile de monde qui cherche à faire ça dans un moment. Mais dans un moment, ça a besoin de justice. Nous prenons plus fort là-dedans. Reste travail à la police. Moi, Kouenali, la FEL. Nous-mêmes, j'ai oué, bouche palé. Pas bay tête nous justice. Pote yo, bay la police. Et la police a mené yo devant la justice. Merci un peu. Merci bien. Je profite de l'occasion pour saluer tout le monde de la presse qui est avec nous. Comme nous tous connaissons, le pays est en deuil. Depuis 48 heures de temps, pour avoir une réponse à Afonso, des étrangers qui rentraient sur le territoire. Assassiné lâchement notre président de la République. Police nationale, après instruction de l'autorité, mobilise tout effectif pour stopper le criminel qui vient s'y mettre sur le territoire. C'est comme ça, toute unité spécialisée, soit Doom, Boy, USGPN, USP, pour me citer ça seulement, nous mobiliser depuis première minute d'attaque là pour nous donner une réponse. C'est ça que fait nous qu'a dit aujourd'hui, nous qu'a présenté à la population aujourd'hui, assaillant ça. Il y a 26. Nous récupérons 15 là-dedans. Mais 26 Colombiens, nous identifions avec passeport des ressortissants de la Colombie. Et il y a deux Haïtiens américains là-dedans. Ils sont là,
avec matériel que ont été commis assassinat, zamio, valisio, machine qui ont été montée, nous récupérer. DCPJ a continué l'enquête judiciaire là, pour nous remettre la justice. 8 lots qui ont cavalé, nous avons cherché, nous avons demandé appui à la population pour toutes 26 assassins, la police, retrouver et remettre la justice. Je vais rappeler nous que la première partie enquête là, enquête administrative, hein, au niveau de l'inspection générale, elle a commencé déjà. Pour nous, dans nous, ça s'est passé. Et M. Sayo, ils sont au nombre de 17. Les autres 8 sont à Gaval. Il a demandé aux populations à continuer dans nos collaborations. Là, nous retrouvons, remettre à la police, pendant que la police, les mêmes temps, l'a fait recherche par là. Famille présidentielle, prêt à joindre justice. Pour joindre justice et nous faire avec propre force panne, avec détermination policière qui des citoyens à part entière qui voulaient défendre le pays en suivant, en respectant le mandat, serment que vous avez prêté, c'est protéger et servir la population avec moyens que vous avez à disposition. Nous dit t'es gain 28 assaillants, 26 Colombiens, 2 Haïtiens américains. Parmi les 26 Colombiens, nous avons récupéré 15. Il y a 3 qui sont stoppés. Et il y a 8 que nous avons cherché activement. Et les 2 Haïtiens américains, ils ont été récupérés. L'enquête a continué, l'autre ami, l'autre matériel, là, nous montrons quelques là-dedans. Donc, c'est chiffres sans gagner, et nous communiquons. Mais la partie la plus importante, il y a 8 qui sont toujours en cavale, n'a pas des populations accompagner nous, pendant que la police a renforcé la technique d'enquête, la technique de recherche, puis le cas retrouvé. Merci. Nous dit tout. Eh bien, sous fait branché, on va suivre bulletin d'information, premier sorti nous pour journée, hein, parce que nous connaissons, nous avons une série de bulletins d'information spéciales, cadence info, que nous avons fait à partir de l'assassinat crapulé de président Jovenel Moïse. Et nous avons aussi, c'est la première fois que je suis dans la chaîne là, pas oublier, sous pourquoi abonner tout, cliquez sur le bouton marqué subscribe ou bien abonner pour permettre que chaque temps de monter ou capable. Jouen nous en direct ou du moins ou ka jouen vidéo. L'autre cap factualité l'en bulletin d'information parce que nous te dit nous ta bousquer information. Nous sautant de DGPNH la information yo, c'est confirmé 26 Colombiens, 2 Haïtiens américains. L'en yo là nous connaît gagné 15 que au prend, gagné 3 qui stoppé et puis gagné 8 qui toujours en cavale. Et la police nationale, l'armée d'Haïti, a continué de traquer pour mener tout vini là et jusqu'à ce que yo mène enquête sur yo. Mais pas oublier, nous te pas là avec nous, nous te fait nous connaître que gagné le gouvernement colombien lui-même et gouvernement colombien lui-même et li commencer enquête. Premièrement, li confirmer que et 26 assaillants sa yo, yo même yo c'est colombien yo yé et bon li pour nous et ministre défense dans pays colombien li même et li fait connaître que mercenaires yo et que la police nationale d'Haïti arrêté c'est ancien militaire qui retraité dans l'armée Colombie et yo dit et ça m'a parlé de et ministre défense service intelligence et pays Colombie et toute administration colombienne nan, eh bien yo fait connait que yo prend en charge pour yo voyer attendez bien yo prend en charge pour yo voyer toute information by Haïti
yo pral mener enquête parce que yo gen bon jan investigateur la kayo qui pral mener toute enquête nécessaire pour connaître premièrement qui date yo te fait voyage ça puis entrer en Haïti, qui est-ce qui paye et qui prend en charge voyage ça, ça veut dire qui est-ce que c'est en Colombie, que c'est en Haïti, que c'est n'importe qui côté l'international là, pour yo ka bay toute information sa partager avec DCPJ parce que nous connaît gen un commun accord et en police internationale que sur le pays depuis investigation en fait surtout un crime sur un président en fonction, c'est un crime ça c'est international et c'est tout pays qui a mis en patte là pour joindre résultat pour nous pas perdre président Jovenel Moïse pour grand merci non seulement Il y a besoin tout auteur matériel yo et auteur intellectuel yo tout qui est qui payé pour complot ça et à quel fin, très important parce que faut qu'on toute information ça pour nous ca dormir en paix parce que tout autant nous pas d'information ça nous pour qu'on jamais ca fini de là parce que sans président Jovenel Moïse pas couler pour rien et bien c'est ministre défense et colombienne avec et colonel qui responsable et l'armée a qui t'a baï conférence de presse ça nous même nous gantan courir à chercher pour nous vinn avec information ça et nouvelle là c'est oui la Colombie confirmé que 26 assaillants ça yo parce que c'est 28 26 et colombiens et puis 2 haïtiens américains mais 26 colombiens ça yo c'est ancien militaire oui qui transformé tête en mercenaire ça veut dire ou payé yo gros l'argent, c'est pas l'argent petit, gros l'argent et puis eux même, il a fait mission dans n'importe qui pays, n'importe qui côté y entrer, yo fait assassinat, yo touyer, gien de laisser particulier yo touyer, gien de laisser monde qui gien comme yo konvin touyer, on yo fait ça, gien de les tous ces chefs l'état tant que ça passe dans pays d'Haïti là, c'est président Jovenel Moïse qui a assassiné, mais c'est gros l'argent pour payer, gros l'argent pour payer pour qu'a déplacer mercenaires ça yo qui c'est ancien militaire. D'abord, c'est pas seulement pays Colombie non qui gagne mercenaires. Gagne mercenaires États-Unis tout, anciens militaires, moun qui gagne bon jan training, yo fait groupe mercenaires yo depuis n'importe on besoin à faire décider des actes dans notre pays ou prend yo en charge mais c'est gros l'argent. Gagne mercenaires français, mercenaires toute nationalité, c'est pas Colombie seulement, tout côté. Gagne doit m'pa connaître gagne mercenaires haïtiens d'accord, anciens moun qui était anciens policiers qui vient entrer, nous m'pa connaître bah ça. Mais c'est ça oui. C'est mercenaire, ça veut dire ou paye yo puis al font job sans état d'âme. Sans état d'âme. Ça veut dire yo pas gagné personnel à mon yo pral touye. C'est l'argent ba yo ou di yo met target là, quel que soit mon nan puis ap essayer je connais. C'est ça que fait forme de investissement ça yo, moun ki pou fèl ou bien une société ou bien une organisation ou bien un pays ou dépense en pile l'argent pour ça. Ça veut dire espérer que comme et ministre des forces colombiennes dans le gouvernement colombien eux-mêmes yo dit y a collaboré à 100% y a voyé toute information yo bay pays d'Haïti pour investigation qui arrive côté le gain pour arriver et monde qui coupable yo pour yo ka payer pour ça l'autre cas factualité dans bulletin d'information hein, pour nous conclure et c'est qu'aucune chaîne nouvelle ça qui tombé et commissaire gouvernement lui-même commissaire gouvernement Port-au-Prince eh bien li écrit inspecteur général en chef la police hein, lui même qui c'est Franz Jean-François pour demander mettez à disposition et un quatre dossiers assassinat président Jovenel Moïse moun sa yo et pas oublier me dit nous ça c'est pas parce que et commissaire gouvernement mandé mettez moun à disposition pour tande yo qui voulait dire que yo accusé yo de rien mais c'est piste y a cherché parce que son président de la République a assassiné et mais tout moun sa yo c'est commissaire Dimitri Erard qui c'est responsable et sécurité générale par l'unité USGPN yo mandé pour mettre Dimitri Erard à disposition et la justice et yo mandé tout commissaire Léon Pierre Haussmann lui-même c'est lui qui responsable unité sécurité présidentielle yo mandé commissaire pour mettre à la disposition la justice commissaire divisionnaire civil Jean Laguel et puis qui monsieur c'est coordonnateur général palais national et yo mandé tout pour mettre à disposition la justice inspecteur principal
Amazon, Paul Eddy, qui c'est responsable 4 cibles. Ma prépite encore pour nous, ça c'est moun que commissaire gouvernement a demandé inspection générale mettait à la disposition de la justice pour yon katan de yon l'an causé assassinat président Jovenel Moïse. Ça pas veut dire que yon accusé, mais c'est tende ap tende yon parce que yon information faut yon gen de yon. Et si yon implique tout, eh bien, nous connaît la justice a tout kembe yon. C'est commissaire Dimitri Hera qui est responsable USGPN, commissaire Léon Pierre Haussmann qui est responsable USP, et commissaire divisionnaire civil Jean Laguel qui est coordonnateur général sécurité Palais National, et puis inspecteur principal Amazon Paul Eddy qui est responsable 4 team. Et bien c'est tout ça me porter pour nous dans bulletin d'information et premier bulletin pour journée parce que nous connaît deux bulletins, non seulement le matin nous bon bulletin d'information et puis l'après-midi à 5h tapant nous venons en direct pour nous permettre de participer tout et pour nous venir avec plus d'informations pour nous. Point pour nous retenir la bulletin d'information et matin là, c'est que Yokembe en tout gen 18 et l'an mercenaire là dont 3 qui mouri l'an attaque et puis gen 15 qui l'an met la police. Et l'autre point et gen 8 qui en cavale toujours que la police nationale mande population pour aider yo joine et depuis yo joine yo pas tuer yo pour yo ka traîner yo devant la justice pour yo continuer parler. Et puis l'autre point tout cas factualité dans bulletin d'information hein, c'est que ça pour nous retenu c'est que et la Colombie gouvernement colombien et reconnaître que 26 assaillants et mercenaires yo c'est colombien yo c'est ancien militaire qui sorti dans l'armée Colombie. Et la Colombie lui-même lui dit la bay toute collaboration avec le pays d'Haïti, l'a enquêté, parce qu'il y a un bon genre enquêteur, pour connaître qui les gens qui ont quitté Colombie, qui est-ce qui paye pour voyager, qui est-ce qui héberge côté au tabralé. Ça veut dire toute information, ça, il y a partagé avec la justice haïtienne. Et puis pour nous conclure, et tout gros autobré qui était responsable sécurité palais national, sécurité président, eh bien, commissaire gouvernement, mandé inspection générale, pour mettre mon sur à la disposition de la justice pour y entendre l'en causer assassinat président Jovenel Moïse que nous pas jamais oublier. N'a dit tout monde merci et pas oublier coronavirus a toujours bel et bien existé, mettez cache-nez, respectez distanciation sociale yo, lavez mains nous, utilisez un sanitizer et puis pas oublier subscribe, ça veut dire abonner, partager, like et puis commenter. Bye bye tout le monde et n'a pas rencontré à 5h de l'après-midi pour émission bulletin d'information, mais côté m'a permettre nous participer parce que n'a en direct. Bye bye tout le monde.